Salut à tous, c'est le Teint. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle saison avec la JOCR. Votre équipe, la JOCR. Donc, je vais faire en fait un 100% centre de formation. Donc, on y va, on commence une nouvelle carrière et on va obligé de ne pas tricher. Parce que, bon, bah, je vous avoue que d'habitude, avec les sauvegardes, j'ai tendance à recharger jusqu'à que ça me plaise. Et là, ben, je vais pas trop pouvoir le faire. Donc voilà. Donc on commence la carrière de manager avec la JOCR et on va se donner un petit coup de boost, même si je me sers personnellement jamais du réseau de recrutement, vu qu'on va faire un spécial centre de formation. Voilà. Alors, ok. Donc, par contre, j'ai un petit problème, c'est que j'avais, je crois, créé des joueurs dans l'équipe et il faudrait que je les supprime parce que ça va faire un peu de la triche, forcément. Donc, voilà, l'équipe, compilation d'équipe. Alors là, comme vous pouvez constater, il y a des joueurs en trop normalement. Si je vais vers la fin, et voilà, regardez-moi ça. Oh, je me suis créé. Ça m'étonne pas. Et donc, comment je vais faire pour les virer? Je sais plus. Je sais plus. Comment je fais? Je vais trouver vite. Alors, ça va être dans Transfert Club, voilà. Donc, si je vais là, normalement je peux les passer, je pense, en agent libre, non? Hop, et un an, faut les mettre dans une autre club. Bah, je vais les mettre dans une autre club. Ou je vais les mettre en Ligue 1, tiens. Et je vais les mettre dans une équipe que j'aime bien en Ligue 1. Ça va être une équipe pas trop forte. Tiens, j'invite Angers. Je crois pas que j'ai fait le transfert ainsi. Ah si, c'est bon. Et hop, à Angers. Voilà, donc comme ça, je vais commencer avec vraiment l'équipe de départ de la JOCR. Alors par contre, je vais pas utiliser la dernière sauvegarde, le dernier téléchargement, la dernière mise à jour en fait, parce que j'ai créé le stade. En fait, j'ai créé le stade la Baie des Champs pour faire un truc assez réel. Donc je vais pas utiliser du tout le dernier téléchargement, la dernière mise à jour. Alors, carrière de manager, hop, continuer. Hop, la JOCR, ça me paraît bien. Donc hop, je vais mettre. Américain, comme ça fait classe. Désolé, donc moi je suis le Teinte. Voilà. Deuxième Teinte, ça me paraît bien. Hop, je suis français. Jusque là, rien d'anormal. Hop, je vais prendre ça. Par contre, j'aime pas du tout survêtement, j'aime pas du tout costume, j'aime bien ça comme style, ça fait classe. C'est parti. Alors, je joue en semi-pro. Quand je joue, hein, je joue pas tout le temps, la plupart du temps je simule, mais j'aime bien faire les matchs de coupe en fait. Donc, je jouerai en semi-pro, je sais c'est pas un super niveau, mais je suis pas un super niveau non plus, donc vous allez vite le constater quand je vais faire des matchs. Donc 4 minutes, hop, la baie des champs. Et donc si je fais ça, je perds la baie des champs. Donc en fait, il faut que je fasse perso actuel. Voilà. Et donc continuer. Et voilà. Donc là, et ben on se lance dans une nouvelle carrière, donc de, j'ai dit de 100% centre de formation. Donc, après, par contre, si vous avez des conseils, si vous regardez un peu les vidéos et que vous êtes sur ma façon de jouer, ça peut être intéressant. Je suis prêt à prendre tous les conseils. Et également au niveau du centre de formation. Alors j'en ai fait pas mal quand même des saisons de centre de formation. C'est peut-être ma quatrième ou ma cinquième. J'avais commencé avec un club anglais. Je crois que c'était. Je sais plus. Ben non, je sais plus en fait. Cardiff. J'avais commencé avec Cardiff, je crois. Après, j'ai fait un avec la JOCR et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et j'en ai refait un après et j'ai arrêté, je sais toujours pas pourquoi. Et donc là, je recommence celui-là avec vous. Et puis, là, du coup, les rapports, ben, je vais pas pouvoir les recharger. Ouais, donc voilà mes nombres de saisons. Donc j'ai essayé. Bah, c'était Coventry d'ailleurs. Ah si, à sans triche, je l'ai pas respecté, soyons honnêtes. Tiens, du coup,
Je vais peut-être prendre celui-là, je vais commencer celle-là, je vais pas utiliser cette sauvegarde-là. Donc là, je vais mettre AGIA, donc on va mettre CDF. Non, c'est pas du tout ça. CDF, hop, et je vais mettre CDF YouTube, tiens, hop, comme ça, on saura ce que c'est. Hop, CDF YouTube, c'est parti. Ok. Donc alors le truc moi que je fais souvent, bah là je vais y aller parce que bon ça rapporte des sous, hein, donc même si je me vautre. On va prendre le moins difficile mais qui rapporte le plus. Bah tiens celui-là il est bien, il rapporte et il est moins difficile. Donc on va prendre celui-là. Et le truc que donc fait moi assez régulièrement c'est les entraînements. Donc je sais pas vous de votre côté, je sais qu'il y en a beaucoup qui les zappent et qui font les saisons avec le calendrier. Alors moi je fais jamais les saisons avec le calendrier en fait. Je fais toujours avec la fonction donc continuer. Donc là on va aller voir déjà au niveau des mails ce qui nous envoie. Ok, donc ça c'est bon, on s'en fout. Ok, et ici d'accord c'est bien. Donc alors là par contre ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans les transferts et je vais vendre des joueurs. Bon, je vais pas en acheter, mais je vais en vendre. Ça servira à rien. Je vais perdre des joueurs, mais je vais surtout vendre les joueurs qui ne m'intéressent plus. Alors, en général, je vends les vieux joueurs parce que bon, je me dis que ben ils ont pas d'avenir trop dans le club, donc c'est pas très utile en fait de les garder. C'est peut-être une saison à la rigueur pour céder, mais en plus ils sont tous arrivés dans cette équipe. C'est bien, c'est qu'ils sont tous arrivés il y a pas longtemps. Ah non, tiens, il y a Aubragnac, Courté aussi, mais Courté il va m'être utile, donc je le garde. Sané il va m'être utile, je vais faire jouer. Boucher je le garde pour l'instant. Touré il va être utile aussi, parce qu'il est très bon. Aguilar je vais le garder. Traoré, alors Traoré, non, lui je vais pas le garder, lui. Sinon il est pas en prêt, lui. Non. Non, non. Non, non, donc maintenant de toute façon je vais pas signer son contrat, donc il partira dans un an. Pas le re-signer, donc Yatara je le garde, il va être utile. Vincent je vais le garder aussi. Je vais voir son contrat combien de temps il dure parce que je vais le garder un peu, en tout cas que je trouve un meilleur joueur. Bah aussi il va être utile. Sangaré non il est pas assez fort. 58 c'est pas assez fort. Spagnara il va être utile aussi. Fumita Mouzo il va être utile. Montiel non, 59 c'est pareil, c'est pas assez fort. Boto, alors je l'aime bien, un des joueurs que je préfère au club et que je garde assez souvent parce que je crois qu'il peut monter jusqu'à 78 il me semble. Konaté aussi, il monte un peu. Goujon il peut être utile, parce il doit monter vers 72-73 maximum. Bah non, je vais le vendre, il n'est pas assez fort. Kilicho il monte jusqu'à les je crois 75 il me semble il monte. Aïe, il doit faire du 77-78 donc il est super utile en fait. Mais en deuxième saison, parce que la première évidemment je pense. Le Nog, non, je vais le transférer. L'Aspal, je crois aussi que je vais le transférer, il me semble. Non, on peut pas, il vient d'arriver. Du coup, reste pareil. Diallo, c'est pareil. 56, le temps qu'il monte à un niveau. En fait, tous les mecs du problème, c'est que tous les mecs du centre de formation, en fait, ils vont être meilleurs que ces joueurs-là. Donc. Et Sissako, même s'il a que 60, je le garde parce que je crois qu'il monte assez haut. S'il doit monter, il doit être pas loin des 78, je crois, quand il monte lui. Ok, donc là, ok, c'est fait. Après, je vais peut-être regarder les contrats parce que j'ai peut-être signé des joueurs qui ont des contrats courts. Alors, ça dépend en fait. 2 ans, ouais, peut-être essayer de re-signer les 1 an à la rigueur. Je les vendrai au pire. Hop, ok, on va faire ça et puis on va lui proposer 1000 de plus que ce qu'il demande. Sans mettre de rôle, en fait, j'aime pas trop mettre de rôle parce que ça bloque vraiment si on fait pas jouer le joueur comme il a envie. Donc, ça, j'évite de le mettre. Donc, ça marche pas tout le temps, pardon, évidemment, le téléphone qui sonne à ce moment-là, classique. Alors, après, hop, Aguilar, oui, je vais essayer de le re-signer aussi parce que j'aimerais bien le garder un peu lui. Même si apparemment il va partir pour Montpellier. Tant pis.
Voilà, et puis je vais en signer peut-être deux à la fois. Non, je vais tous les signer en fait. Takalfred, non. Fournier, non. Matisse, non. Traoré, j'ai dit non. Et lui, non plus. Par contre, Illich, ouais. Donc, Illich, on va lui mettre 3003. Toujours 10%, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça doit être, à mon avis, c'est plutôt un toc qu'autre chose, mais j'ai l'impression que ça peut jouer. Alors, hop, c'est parti. Donc là, les contrats, c'est fait. L'équipe. Alors, je vais jouer pas du tout comme ça. À un moment, ils étaient. Il y a 5 derrière, à un moment, la GIA. Donc, j'avais gardé ce système. Et puis, du coup, bah là. Je vais changer de système. Je vais jouer un système que j'aime bien. J'aime bien jouer avec mes deux milieux défensifs, moi, déjà. Ouais, alors, soit c'est ça va être celui-là, ou c'est un plus serré, peut-être. Il n'y a pas un truc qui est resserré. Là, c'est celui-là, non? Il n'y a pas un resserré? En défensif, c'est pas celui-là. Je sais plus. C'est 4 derrière, c'est sûr. C'est 4 derrière. Mais c'est 2. Juste après, c'est un 4-2. C'est un 4-2. 4-2-3-1, je crois. C'est un 4-2-3-1. Non, c'est pas ça. Non, c'est un 4-2-3-1. Bah c'est celui-là en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas vu tout à l'heure. Hop, voilà, ça j'aime bien. Je trouve qu'en jouant les matchs, ça correspond pas mal à ce que je fais. Et puis, alors la tactique. Alors la tactique en général, je la fais perso. Mais quand je commence à avoir des joueurs de bon niveau, c'est-à-dire que là, si je la fais maintenant, le problème c'est que bah, je sais pas si les joueurs ils vont être assez forts pour. Si on va avoir le coffre en fait pour assurer. Donc je vais garder contre-attaque, on va jouer comme ça au début parce que ça va pas être évident au début. Et là par contre il faut faire l'équipe. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Alors c'est vrai que j'aime bien faire jouer. Je pense que les premières saisons je vais faire jouer des joueurs pour les faire leur donner d'expérience. Je sais pas si ça y fait dans le jeu. J'ai vu que tous les joueurs ça leur apportait de l'expérience. Donc je vais le faire. Je vais le faire. Donc je vais faire jouer des joueurs que je vais garder en fait. Que je vais garder. Donc mi offensif, je pourrais faire jouer bas. Peut-être Courtais, il peut être intéressant. 9,5. 9,5, 10. Là je vais faire jouer bas. Là je vais faire jouer Vincent. Donc Touré évidemment, ça c'est. Il n'y a pas moyen. Et puis après le problème c'est que. Ah bah il y a Kilic, bah, je vais faire jouer Kilic en milieu de terrain, tiens plutôt Courtais. Courtais il sera remplaçant. Je sais pas si je vais garder Courtais, je pense que c'est peut-être un joueur que je vais vendre. Et là je vais peut-être faire jouer Sissako. Sissako en défense à gauche, on va mettre Boto. On va mettre Sané, Spagnara et Aguilar. Et Boucher dans les buts, c'est parfait. Alors là par contre en remplaçant je vais prendre des joueurs que je compte garder. Alors en remplaçant je mets toujours un milieu un défenseur central, un latéral, un milieu défensif et après j'utilise surtout les postes de l'attaque parce que c'est ceux qui fatiguent le plus vite. Enfin en tout cas je sais pas si c'est mon style de jeu mais c'est ceux qui fatiguent le plus vite. Donc là de toute façon j'ai pas le choix, il n'y a personne dans l'équipe donc. Hop, donc Matisse, et après ben, je vais mettre Obraniak qui peut être utile en sortie de banc. On va mettre. On va mettre. Il est où? On va mettre Courtais. On va mettre Yatara. Et on va mettre Fumu Tamuzo. Bah, ça me paraît bien. Donc maintenant les rôles. Donc le capitaine, bah, quelqu'un que je vais garder. Que je vais garder plus longtemps, on va mettre Boto. Alors pour les coups francs à droite. Et bah, il y a des super tireurs de coups francs dans cette équipe. Ouais, bah, du coup, ça va avec Kilic. Hein. Quand même triste. C'est quand même une tristesse ultime, les stats des joueurs. Bah, du coup, bah, on va garder Kilic. Bon, on va mettre lui. Ouais, c'est peut-être comme ça. Bah, on va y prendre un penalty. Alors, c'est pareil, je sais pas si vous avez constaté, vous, au niveau du centre de formation, les joueurs qu'on récupère. C'est très rare qu'il soit bon penalty. Alors moi j'en ai eu qu'un seul, enfin qui était bon entre guillemets, parce que en fait à 85 de général, il n'y a que 69 de penalty. C'est le meilleur que j'ai eu dans toutes les saisons que j'ai fait. Donc, alors après on peut les entraîner,
C'est sûr, mais je trouve que ça monte très très lentement. Et puis ça apporte pas du tout de global, quoi. Donc de général. Général. Donc corner à gauche, j'aime bien faire tir à gaucher. Pop, hop, hop. Et bien j'ai pas beaucoup de gauchers, dis donc. Bah, j'ai même aucun gaucher. Dans l'équipe, même Vincent, c'est lui droitier. Ouais. Il aurait fallu à l'arrière que je fasse jouer au Braillac, mais parce que lui il tire tous les coups francs. Mais je vais pas le garder, donc. Bon bah là du coup bah, je vais faire un Kimmich et puis là bah, on va mettre plus Kimmich aussi. Voilà, l'équipe au moins elle est faite. Bon bah par contre je dis pas que je vais gagner beaucoup de matchs mais on va commencer comme ça et puis on va commencer aussi le recrutement donc les entraînements déjà aussi. Ouais. Je vous avais dit que les entraînements c'était important pour moi parce que je trouve que ça monte les joueurs. Donc là les joueurs que je veux garder, donc ça va être Ayé pour le moment. Donc on va le faire jouer sur création d'occasion, c'est bien. Là je vais faire jouer bas, je vais le garder aussi. Éliminer vis-à-vis. Après qui c'est qu'on a qu'on peut garder Vincent peut-être. On va attendre. Là déjà Sissako parce qu'il est titulaire. Puis sur en défense. Je vais le faire jouer avec la brésilienne. Là j'aime bien entraîner un gardien, mais c'est vrai que je sais pas si j'ai gardé Boucher, parce qu'en général quand je lance les premiers recruteurs, je cherche souvent un gardien. Parce que c'est important d'avoir un bon gardien, donc c'est la première chose que je cherche en fait. Et là j'ai pas grand monde d'autres à entraîner, donc je vais entraîner bah, Kilic, hein, parce qu'il reste aussi, si on est éliminé vis-à-vis, et puis là bah, Boto. Poteau parce que je compte le garder aussi. On va faire la brésilienne. Voilà, super. Et donc là, ben, comme je ne triche pas malheureusement dans cette saison, et eh ben je fais tout simuler. Et puis bon bah tant pis si j'ai DF, hein, on va faire avec. Bon, ça va, ça se passe pas trop mal hein, sur le premier entraînement. Alors, et là donc les recruteurs. Alors voyons voir déjà. Peut-être bureau au niveau des finances. Ah non, je suis bien là. Donc j'ai 6 millions de transferts. Donc là 6 millions de transferts, du coup je peux commencer. Alors peut-être le truc que je vais faire, bon on va dire c'est peut-être de la triche et tout, mais je vais peut-être recharger des sauvegardes au moins pour les recruteurs. Pour avoir du 4 étoiles. Parce que là c'est pas évident d'avoir du 4 étoiles du 5-5 tout de suite. Là, par exemple le meilleur que j'ai c'est 4-4. Et vraiment je pense que je vais chercher à avoir plutôt au moins des bons recruteurs dès le départ. Ça vous pouvez le faire chez vous après. Chercher les bons recruteurs, je crois qu'il me semble que c'est le jeudi, du mercredi au jeudi ou du jeudi au vendredi, je sais plus trop, de toute façon on va tester, hein. Je vais passer jour par jour. Donc là du coup je vais faire la sauvegarde. Ou alors si j'ai une manie c'est que je sauvegarde tout le temps, je sais pas pourquoi, j'ai un truc, dès que je fais un truc je sauvegarde, sauvegarde. Donc après, ça évite aussi de perdre ce qu'on a fait dans le jeu, hein. Ça peut être bien. Donc, je crois que c'est du jeudi au vendredi, il me semble. Donc là, déjà, on va passer de. Donc, on a vu qu'il y avait un seul 4-4 au niveau des recruteurs. Donc, on va passer un jour déjà. Hop, on passe un jour. Et on va le vérifier. Mais il me semble que c'est du vendredi. Du jeudi au vendredi ou du vendredi au samedi. Je crois que c'est jeudi vendredi. Hop, on va regarder. Ça n'a pas évolué. Donc, c'est. C'est pas maintenant. Donc, on va aller jusqu'au premier match déjà. Et c'est parti. Bon bah là du coup ben je simule avant le match. Alors bon normalement je simule, enfin je sauvegarde toujours avant les matchs. C'est au cas où j'ai des grosses blessures. Mais là comme j'ai décidé de pas tricher, et eh ben du coup ben, je vais simuler. Puis si j'ai un blessé, ben tant pis, on fera avec. Hein. Comme en vrai. Allez c'est parti. Hop. J'ai pas ni la meilleure équipe, mais j'ai nié à l'équipe que j'espère garder. Bon bah match nul pour premier match à domicile. Pas un super résultat parce que le prochain est extérieur donc il faudra à mon avis ça sûrement être une défaite et le troisième à domicile va falloir le gagner donc ça va être obligatoire et avec je pense un nul une défaite et une victoire on peut passer alors donc qu'est-ce que là bah super ils refusent tous les contrats donc ça c'est intéressant donc bah, Zachary Boucher bah, on va aller sur les contrats ça c'est vraiment pas de bol puisque d'habitude ils en acceptent il y a toujours quelqu'un qui en accepte. On a peut-être un sur les trois, hein, et puis là, bah aucun, bon, pas de bol. Ils veulent tous savoir l'euro, là, de toute façon, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, mais bon, c'est habitude. Ils veulent connaître leur rôle, donc. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est le rôle.
le rôle moins titulaire en devenir, il acceptera jamais. Occasionnel, il acceptera jamais. Joueur de rotation, il y a peu de chance. Je vais le tenter quand même. On va voir. Mais pas du tout. Qui a refusé d'autres à part lui? J'ai pas regardé par contre. Aguilar qui a refusé, donc c'est le rôle, c'est pareil. Et puis Kilic, c'est le rôle. Donc c'est tous pareil. Ils veulent tous connaître leur rôle dans l'équipe et ça m'arrange pas du tout. Parce que je veux pouvoir faire jouer les joueurs quand j'ai envie. Donc on a dit qu'il y avait Aguilar, c'est la mémoire de Poisson Rouge, ça c'est un classique. Donc Aguilar je crois, et puis l'autre je sais plus qui c'était. Alors Aguilar, on va retourner sur 6000. Des fois plus d'argent ils acceptent, mais je sais pas, allez on va mettre 6500, 500 de plus. Et puis on va le mettre pareil que l'autre, on va mettre joueur de rotation, on va voir s'ils acceptent, mais à mon avis c'est mort. Et le troisième, c'est Tekilic, c'est ça, ça y est, en voyant le nom. De toute façon, je crois que j'ai proposé que 3 contrats, donc. Alors, on va faire 3000, 3008. Hop, c'est parti. Et on verra bien la prochaine fois. Donc, hop. Donc là, j'ai proposé les contrats. Hop, je sauvegarde quand même. Perd pas les bonnes habitudes. Et donc là, je passe à l'entraînement. Hop, on lance une séance. C'est parti. Ouais, c'est pas trop mal pour Buto et Kilic. C'est un peu moyen. Puis le F, ça apporte rien du tout. Alors, c'est parti. Ben là, du coup, je simule. Alors, on avait dit qu'il fallait que je fasse attention aussi aux recruteurs. Donc là, je vais simuler jusqu'au mercredi. Donc jusqu'au match en fait. Ah, proposition de transfert. Xavier, bah tiens, c'est parti. 130, il nous propose 100. Allez, on va accepter de toute façon. Je sais pas si on peut en tirer plus. Ok, on continue. voilà, il veut jouer alors que je viens de le vendre. Donc non, tu vas rester sur le banc. Donc l'équipe elle est plutôt en forme, donc je vais pas faire de changement. Non, ça c'est pas tout ça que je vais faire. Donc j'ai sauvegardé quand même avant le match. Et donc on va simuler le prochain match. Donc là c'est à l'extérieur. Face à l'extérieur. Façon de parler extérieur, parce qu'on joue sur terrain neutre, mais c'est considéré comme à l'extérieur. Et là, il faudrait essayer de faire un bon résultat, mais c'est pas gagné. Et ben, match nul, tiens, c'est bien. Avec 3 matchs nuls, je sais pas si on avance, hein. Je sais pas si on passe la phase de groupe. C'est pas sûr du tout. On en est où dans le groupe? On est deuxième. À égalité, bah tiens, je crois, puisqu'on joue contre. Tiens, si on va dans le tableau. On est deuxième et on joue contre le Hansi Makhachkala. Le prochain match, donc là bon, on va savoir où on en est. Et apparemment, on est meilleur. Donc si on fait match nul contre eux, ben, on sera troisième du groupe. Sauf si Brøndby gagne contre Saint-Gall. Ouais. Donc on va voir tout ça. Alors, position de transfert pour Jobava. Ben, non, ça vend bien d'habitude, ça vend pas aussi bien, quoi. Par contre, là, ils sont pas très sympas. 140 pour 200. Ah, je vais faire une contre-proposition parce que je trouve que c'est un peu bas quand même ce qu'il propose. On va monter à 180, tiens, hop. Parce que quand même, là, il baisse beaucoup le prix. Il a que 20 ans, il peut quand même monter, donc il n'y a pas de raison. Donc là, hop, je sauvegarde. Je sauvegarde. On va aller voir quand même les recruteurs parce que je me suis pas planté. Parce que d'ici que je me sois planté, que ce soit de mercredi au jeudi, on sera reparti pour un tour. Staff jeune, donc normalement ça n'a pas changé et ça a changé, et donc je me suis bien planté. Donc c'était sûrement du mercredi au jeudi. Et ben on va refaire un tour, c'est super. On va refaire un tour du coup. On va faire ça la semaine prochaine, puisque là, à mon avis, je vais essayer quand même d'avancer du jeudi au mercredi, mais à mon avis, c'est mort. On a un truc. Ah, il ne satisfait pas, donc lui aussi, il faut signer à Aguilar là. Hop, et ben je sais pas, on avait proposé 6005, on a proposé, ben, on va rester sur 6005, parce que bon, faut pas exagérer non plus, et on avait proposé ça, bon, on va proposer ça, et puis on verra bien ce qu'il dit. Hop, voilà, là du coup, on va quand même regarder au niveau mais à mon avis, ça a pas changé. Ben non, c'est bien du mercredi au jeudi alors, donc il faut qu'on le refasse la semaine prochaine.
On perd un peu de temps sur le recruteur, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai sauvegardé, donc j'ai pas trop le choix. Et là, on avance un peu dans le temps. Même si on va être vite arrêté, parce que... Ah bah tiens, Romain Kilic, il a accepté le rôle. C'est plutôt intéressant. Alors, sélectionneur, je vous le dis tout de suite, je vais pas du tout prendre de rôle de sélectionneur. Je vais me concentrer à fond sur la saison avec la JOCR pour le centre de formation. Donc là, Zachary Boucher, il faut lui envoyer un nouveau contrat. Hop, ben on va mettre 5 000, tiens, hop, 5 000. Et puis on avait proposé, je crois, ça, on va proposer ça. Verra bien. Au moins qu'il dit déjà, il a accepté, c'est déjà une bonne chose, ça. Hop, et là, le match le plus important, donc. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà. On aura gagné un peu de sous avec Joe Bava, c'est déjà ça. Et on a vendu le Nog, ok. Ça rapporte un peu de sous, c'est bien parce qu'il nous faut aussi des sous. Il nous faut aussi des sous pour laisser les recruteurs, c'est important. Il nous faut 12 millions. Et je pense pas qu'on arrive à avoir 12 millions la première année. Donc on va essayer, je pense, d'avoir déjà deux recruteurs la première année à 5 étoiles chacun. C'est pas dit qu'on les ait non plus. D'ailleurs, là, je vais penser tout à l'heure, mais j'ai vu que comme je m'étais courté sur le banc, et ben je vais le vendre en fait. Comme ça, il rapportera des sous. Et ça pourra nous être utile au niveau des recruteurs. Hop, là, avant de faire le match, je sauvegarde toujours. En plus, je me suis trompé, on joue contre Saint-Gall, on joue pas du contre les autres. Non mais. Le mec qui suit à fond la saison, quoi. Donc, c'est parti. Hop, on simule et il faut absolument gagner parce que sinon on passe pas le tour de groupe et il nous faut des sous. Et c'est comme ça qu'on rapporte des sous, qu'on gagne des sous au début. Bah tiens, 4-0, alors ça rend une belle victoire. Ça. Ah, ça fait plaisir, tiens. 4-0, comme ça on passe directement à la phase de groupe et on va à la phase éliminatoire. Donc elle nous fait des sous. Normalement là, on va nous annoncer qu'on a gagné des sous, 800. Et Aguilar accepte la proposition. Donc il nous reste plus que Boucher. À signer. Donc là par contre on a dit que c'était du mercredi au jeudi. Il faut bien que je fasse attention à pas aller trop vite, sinon on va pas avoir de recruteur. Ça c'est un peu embêtant. Du coup je pense que je vais arrêter là le premier épisode. Comme ça je vais avancer quelques jours au moins pour avoir un recruteur 5 étoiles et puis après ben je vais vous reprendre. Ben, salut à tous.